Bonjour à tous, ici Flo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la coque Incipio Fever pour HTC One X et HTC One X Plus dans cette version noire. Donc cette coque existe aussi dans une version rose pour les personnes qui souhaiteraient obtenir justement cette version rose. Alors je vais vous la présenter sur un HTC One X noir et un HTC One X blanc, histoire de vous montrer un peu à quoi s'attendre. Donc je remercie Mobile Fun qui m'a fait parvenir cette coque. Donc on remarque déjà qu'on obtient une coque, une boîte en plastique qui est assez jolie, assez bien présentée. Ça on peut pas dire le contraire, c'est sûr. Donc on va ouvrir cette boîte. Donc vous pouvez le voir, c'est pas difficile, il suffit de tirer. Alors c'est quel langage, il suffit de sortir la petite boîte qu'il y a là, et on a notre coque ici qui est présente. Donc on voit que bon, déjà on a quelque chose qui est bien présenté avec une coque assez sobre, très mate et très jolie. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de reflet sur cette coque. Donc on la sort de son étui. On a quelques consignes à l'arrière. Donc on nous dit qu'elle est ultra légère, qu'elle est joyeuse et colorée, qu'elle ne fait pas plus d'un millimètre d'épaisseur, et qu'on a accès à tous les contrôles grâce à ceci. Donc on va pouvoir vérifier ça tout de suite. Donc voici la housse qui est. Donc on peut la comparer par exemple au dos du HTC One X noir. Donc elle est plus noire que le gris du HTC One X. On a marqué Incipio à l'arrière ici. Donc voilà, donc je vais vous faire une belle présentation de cette coque de protection. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a un petit clapet ici, hop, qu'on peut sortir. C'est à l'intérieur, on va retrouver donc la protection d'écran pour le HTC One X. Donc on a notre casemate, la coque qui est juste ici. Donc le petit livret Incipio dans lequel on a la garantie, donc à garder précieusement. Voilà. Donc on a une double épaisseur ici, comme on peut le voir. Donc il y a quelque chose d'autre à l'intérieur. Donc voilà, donc c'est la garantie produit. Il faut le garder précieusement. On a notre étui de protection avec le petit chiffon qui va bien pour pouvoir essuyer l'écran. Donc je vais vous montrer juste après, pas comment l'installer, mais la taille qu'il fait par rapport justement à l'écran. Déjà, on peut voir tout de suite, quand on sort cet écran, qu'on a ici la protection capteur. En fait, on voit bien qu'on a pensé au capteur avec ceci. Donc on a une lingette et un appliqueur ici pour enlever les bulles d'air. Voilà, donc on va commencer par le HTC One X noir. Donc on va le clipser, il suffit d'appuyer un petit peu comme ça, et on a notre protection qui est clipsée. Donc on voit bien, comme c'est indiqué, on a pensé aux boutons ici, aux différents boutons volume. On a pensé aussi au bouton power, ce qui est le principal quand même, à la prise jack ici aussi. On voit bien que l'appareil photo ressort à peine donc sur l'épaisseur, donc ce qui est quelque chose d'intéressant quand même. Alors quand on pose la housse, donc elle ne repose qu'un tout petit peu sur l'appareil photo, on voit que si on appuie sur le côté, il n'y a pas de problème. On a ici la connectique, on va aller vérifier tout de suite qu'on puisse connecter donc le téléphone sans problème par rapport à d'autres housses que j'aurais pu tester dans lesquelles on ne pouvait pas le connecter. Donc là, très bien, pas de problème, ça se clipse tout de suite. On a aussi le haut-parleur qui a été pensé, donc j'ai déjà vu des housses sur lesquelles le haut-parleur n'était pas pensé. Et là, le micro, très bien, on voit bien que le micro est accessible, donc pas de problème à ce niveau-là. Je vais vous le, donc voilà, vous voyez qu'elle s'intègre très bien sur le HTC One X noir. Je vais vous la présenter maintenant sur le One X blanc, si j'arrive à la sortir bien sûr. Donc déjà le fait que j'ai du mal à la sortir, ça montre que c'est bien clipsé à l'intérieur. Voilà, donc on repose le One X noir et on va le mettre sur le One X blanc, juste pour vous montrer. Donc voilà, donc sur ce One X blanc très crémeux, on remarque quand même qu'on a un assez bon changement de coloris. On voit sur les côtés qu'on a accessibilité quand même à la couleur blanche des deux côtés. Peut-être un peu plus du côté gauche que du côté blanc. Voilà. Donc pareil, tout comme c'est les mêmes, de toute façon, je vais pas vous refaire la présentation des différents points. Mais voilà, donc juste pour vous montrer à quoi ça ressemble dans cette protection, le HTC One X blanc. Voilà, donc je vous ai parlé aussi de la protection d'écran. Je ne l'ai pas oubliée, elle est juste là. Voilà, donc comme vous voyez, je la sors. Et je vais vous montrer que donc cette protection d'écran, ici, s'adapte vraiment très très bien à la taille de l'écran du HTC One X. Donc on peut le voir ici en bas. Voilà, comme on peut le voir aussi en haut. Alors, on va juste le limiter 2 secondes pour vous montrer. Ouais, donc j'ai pas la luminosité maximale. Mais on voit bien que à travers ça, hop là, hey, tu veux jusqu'en bas s'il te plaît? Voilà. Donc on voit bien qu'on n'a pas beaucoup de pertes au niveau de la couleur de l'écran. Donc c'est vraiment quelque chose de très bien. À
Après, pareil, au niveau tactile, on voit bien que bah, ça fonctionne. Je peux pas tout vous montrer car j'ai des photos peut-être derrière qui sont à moi. Enfin bref. Voilà, donc cette protection d'écran qui est très bien adaptée par rapport au One X, par rapport à d'autres que je vous ai déjà présentées. Donc avec le petit chiffon et le petit appliqueur qui vont avec. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc cette housse est disponible sur mobile24.fr. N'hésitez pas, elle est à 23 € et voilà, elle sera expédiée dès que vous la commanderez. Merci d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, c'était Flo, à très bientôt.